Merci aux partenaires de la Ligue de hockey Midget 3. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, c'est le plus grand inventaire de meubles, d'appareils électroménagers et d'électronique de tout l'Est du Québec qui s'offre à vous. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, vous bénéficiez d'une garantie de qualité sur toute la marchandise et des meilleures conditions de paiement de l'industrie. Vous obtenez un service à toute épreuve et une livraison rapide partout au Québec. Avec Ameublement Tanguay, vous faites le bon choix. La Ligue Midget 3 tient à remercier son partenaire Place Montréal Trosse pour les bourses d'études remises aux joueurs Cégep du Midget 3. La Coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2013-2014. La Coop, partenaire de la Ligue Midget 3 depuis 2004. Heureusement, nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui. À peine 2 heures juste avant le début du match, la lame d'un des patins de Samuel était brisée. Mon mari a téléphoné à l'entraîneur qui nous a dit de nous rendre à la source du sport. Dans le temps de le dire, Charles avait remplacé la lame et avait même aiguisé les patins. Non seulement il est arrivé à la partie à temps, il a compté 2 buts. De bons conseils, le meilleur équipement, la source du sport, le sport, on connaît ça. Le hockey des Grenadiers Midget 3A à la webdiffusion des Grenadiers est une présentation des écoles de conduite technique de la Rive-Sud de Montréal. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission spéciale bilan de saison 2013-2014. Comme le veut maintenant la tradition à Châteauguay, tout de suite après la fin de la saison, on se rencontre pour en faire le post-mortem. Alors j'ai en ma compagnie l'équipe d'experts de la webdiffusion. Simon, comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Claude, au niveau de la description des rencontres, Lawrence à l'analyse. Messieurs, à tour de rôle, vous allez présenter votre manchette qui sera un sujet qui aura marqué la saison des Grenadiers de Châteauguay. Simon, on commence par toi. Tu nous parles de la Coupe TELUS qu'on a vécue il y a quelques semaines déjà. Et oui, Charles Olivier. Alors, ma manchette, c'est cœur en or. La Coupe les Grenadiers à la Coupe TELUS. On a vu durant cette Coupe TELUS que les Grenadiers ont mis tout leur cœur, malgré le fait que la médaille ne soit pas dorée. C'est le cœur de ces joueurs qui est en or. Ils ont mis ils ont fait tous les efforts nécessaires pour remporter cette médaille d'or. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais de quoi on va se souvenir, c'est que cette équipe a mis tout son cœur dans ce qu'elle a fait et a remporté une belle médaille d'argent. On peut dire que cette expérience-là de la Coupe TELUS, c'est quelque chose de bénéfique autant pour les joueurs, mais pour tous les gens qui entourent une formation. Ah, exactement, Charles-Louis, là, c'était une expérience que même nous, on a vécue, oui. Qu'on a eu, je pense, énormément de plaisir à faire, même si on travaillait extrêmement fort. Je peux vous dire, ça a été fort plaisant de faire ces capsules-là. Puis aujourd'hui, ben oui, les jeunes ils ont bénéficié de cette expérience-là, mais nous aussi. Donc, je pense qu'on en sort grandi, mm-hmm. Puis on en sort là qu'on va s'améliorer davantage là, pour les prochaines saisons. Et même si le résultat était peut-être pas celui espéré de la formation de Bruce Richardson, sans aucun doute, les joueurs autant que le personnel peuvent revenir avec la tête très haute à Châteauguay. Absolument, absolument. Moi, je reste convaincu, j'en parlais avec des gens en arrivant cet après-midi. Les Grenadiers ne doivent pas avoir honte. Je pense qu'ils reviennent presque avec une médaille d'or. Ah oui. Ils l'ont pas au cou, mais dans leur cœur, je suis certain que les jeunes l'ont toute la médaille. Parce que on a gagné l'argent et on n'a pas perdu l'argent. Exactement, parce que ça aurait pu, après 3 périodes, presque 3 périodes de surtemps, d'un côté ça aurait pu, on pouvait lancer un 30 sous en l'air et Châteauguay aurait pu l'emporter. Alors, moi, je me disais toujours, puis je le mentionnais à beaucoup de gens, on se rappelle toujours des champions. Hein? On se rappelle toujours des champions. Mais cette année, on va se rappeler des perdants qui ont perdu à TELUS. Parce que c'est la première fois depuis que la Coupe TELUS existe qu'on allait en 3e période supplémentaire. OK, ça, c'est presque 2 parties, là. Effectivement. En ayant déjà joué 7 matchs en 7 jours, oui, là, t'en jouais 8 en 7 jours, ça a été... Qu'on ait 15, 16 ou 17 ans, là, Lawrence, là, ça rentre, veut pas, dans le corps d'un individu. Puis on le voyait aussi dans les... Absolument. Moi, lors des périodes de prolongation, là, l'énergie, là, elle n'était plus au même rendez-vous. Elle moins présente. Non, malheureusement, moi, je l'ai vu à la télévision, je n'ai pas pu être à Abuja, mais on voyait à la fin, 3e période, la langue...
traînait sur les deux côtés des on s'entend aussi, le Bruce et l'entraîneur adverse utilisaient les meilleurs éléments. Oui, là, il avait commencé à couper les bancs. Exact. Ce qui est normal, là, on veut gagner. On est à un but de gagner le plus gros championnat de midget au Canada, donc on se devait là de faire ces tactiques. Oui, mais c'est ça, moi, c'est ça que je veux revenir, là. C'est qu'on va s'en rappeler dans les années futures. Tout le monde va dire, hey, la troisième période supplémentaire, Chateauguay l'ont perdu, mais de peu. On a performance. Ah, exactement. Et, en terminant là, très rapidement, c'est parce qu'on peut le mentionner maintenant, et je pense que c'est important de le mentionner, même si les Grandis l'ont, comme tu l'as dit, Claude, les Grandis sont perçus comme s'ils avaient été gagnants, parce que on a reçu un appel du gouvernement du Québec, et Philippe Couillard et Monsieur Pierre Moreau du Parti libéral recevront les Grenadiers de Châteauguay à l'Assemblée nationale, alors que les Grenadiers sont presque sacrés champions. Là. Et ce qui est le fun, c'est de savoir que tu sais, il y a beaucoup de gens au Québec qui écoutaient le match. Ah, puis, oui. On s'en fait parler encore aujourd'hui. On s'en fait parler. Le TSN ont tassé la Ligue nationale de hockey pour garder le match en onde parce que justement, c'est un match historique. Donc, non, je pense que les gars, là, peuvent, comme tu l'as dit, là, peuvent sortir la tête très haute. Ça amène un bon point, Laura. Parce que moi, je vais te dire, j'étais à la maison. Là, je voyais l'heure passer. J'ai dit, je suis sûr qu'ils vont nous couper ça. Là, mais là, c'est moi, Claude. Là, c'est moi qu'il va falloir qu'il coupe. On va aller à ta manchette maintenant. Parce qu'on, me dit déjà à la régie qu'on est en retard dans le temps. Si on parle des séries éliminatoires, Claude, qui a été un très beau parcours de la formation de Bruce Richardson, même s'ils n'ont pas eu le bail, si on veut. Fantastique. Les Grenadiers ont débuté la série contre les Albatros du Collège Notre-Dame en 3 victoires. 2 qui avaient été en période supplémentaire. On s'en rappelle encore. Les héros des périodes de supplémentaires, là, ça a été les Grenadiers tout au long des séries. Ouais. On va faire ça vite. Après, on s'est rendu à Trois-Rivières. Un des matchs clés lorsqu'on était battre Trois-Rivières dans la troisième rencontre, encore en supplémentaire. T'en rappelles? Oui, en deuxième période de prolongation. On était à la demande de la Ligue à Trois-Rivières. On avait gagné deuxième période supplémentaire. Et les trois premiers matchs de cette série. 5-4, le même pointage, le même scénario. Malheureusement, Magog, j'étais pas ici, j'étais en vacances. Mais quelle performance des Grenadiers dans le 7e match. Chaque équipe avait... Sixième, on a remporté en 6 matchs, Claude. C'est vrai. Contre Magog. Et là, je pense que où est-ce que tu voulais aller? Là, c'est ça. Le 7e match contre Estrade Blondin. Là, vous compreniez, je suis un peu plus vieux que vous autres, alors j'en perds un peu. Mais je vais revenir à ça. C'est que lorsqu'on a gagné contre Estrade Blondin, on a été gagner les 4 parties sur leur patinoire. Moi, je vais vous dire une chose. Après la première période, on était tous là. On a assisté à la partie, on aurait aimé la présenter, on n'a pas pu la présenter. On tirait de l'arrière 0-2 au début de la rencontre. Et là, on s'est mis en marche. Hein? Le trio encore, superbe travail de la brigade défensive à 4-5 contre 4 de Cardinal P. Highland. Exact. Qui a sauvé les meubles là encore une fois. On est revenu dans le match. Mon petit a fait des miracles. Le temps d'arrêt de Bruce Richardson aussi. Alors, fantastique. Maintenant, Lawrence, on peut le dire, on sûrement que nos prochains invités vont nous en parler, mais plusieurs pertes ont fait de cette formation-là beaucoup plus. Ils ont grandi à travers ça, Charles-Olivier. C'est pour ça que je voulais amener cette manchette-là. Oui, c'est beau. On a gagné la coupe, on a remporté la médaille d'argent à la coupe TELUS. On a gagné la Jimmy Ferrari. Mais qu'est-ce qui nous a amené à gagner ces événements-là? C'est la force de caractère qu'on a démontré tout au long de la saison. Les Grenadiers, là, on se rappelle, là, en cours de route, ont perdu Montpetit et Coughlin 2 matchs consécutifs. Personnellement, j'avais jamais vu ça dans le hockey. Là, perdre tes 2 gardiens là, avec une blessure à l'épaule comme ça, on a dû se rabattre au gardien numéro 3 et 4, si on veut, de l'organisation. Par la suite, on a perdu Sabourin pour 7 matchs de suspension, Crête pour une blessure à l'épaule. On a eu Taillefer qui a manqué du temps aussi. On a manqué Samuel Laberge en cours de série contre Trois-Rivières, malheureusement une fracture du poignet, donc dû manquer pour le reste des séries. Donc, tous ces blessures-là, toutes si on veut, là, les événements, on a eu à faire face à de l'adversité, a fait qu'aujourd'hui, on a la Coupe Jimmy Ferrari à nos côtés. Puis je pense que les jeunes, en terminant, là, je pense que les jeunes, c'était des jeunes hommes. Et grâce à tous ces événements-là, sont devenus des hommes en cours de saison. Ouais. Puis je pense que c'est pourquoi qu'aujourd'hui, là, ça a été une équipe championne. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. N'eu été de ces blessures-là à Coughlin et Montpetit au mois de novembre. Peut-être qu'on a un scénario différent aujourd'hui. On regardait le scénario. Moi, je regardais ça encore, le classement final, là. On aurait eu des chances, de très, très grandes chances, de remporter le titre du championnat devant les Commandeurs de Lévis.
Mieux été de ces blessures-là. Et on s'entend, la division, on aurait regagné la, on aurait gagné la division face à Magog, qui a terminé un point devant nous. Exactement. Donc, mais ça aurait été un scénario différent aussi, parce que peut-être que les jeunes n'auraient pas appris de la même façon que l'autre. Ah, non, parce qu'on n'aurait pas fait face à de l'adversité. Peut-être qu'on aurait mieux performé au challenge. Puis, tu sais, on n'aurait pas eu la soif de gagner. Puis là, on avait soif, là, rendu en série. On l'a vu là, à de nombreuses reprises. Là. Quand il était le temps de terminer les séries, on les a terminées. Où est-ce que ça a été un peu plus compliqué, c'est contre Esther Blondin. Mais faut donner crédit là, à Esther Blondin. Esther Blondin à Coupe TELUS. Là, peut-être que Esther Blondin termine deuxième ou troisième. Là. Donc, c'est sûrement troisième, là, parce qu'on les aurait rebattus. Là. Mais tu sais, c'est pour dire là, que l'adversaire qu'on affrontait, là, c'était une équipe de tête. Puis ça a fait que nos jeunes ont forgé énormément de caractère en cours de saison. Puis je pense qu'on peut leur donner crédit. Là, ça a été toute une performance de leur part. Et pendant l'absence de ces deux gardiens-là, la défensive s'est resserrée. Puis le plus bel exemple, Simon, tu as tellement raison, là, Alexandre Desgagnés. Alexandre Desgagnés, sans dire qu'il était pas fiable en début de saison, comment il était rendu fiable en fin de saison, comment nombreuses reprises que Bruce l'a mis en avantage numérique, le but important qu'il a marqué, alors que c'était difficile là, au niveau de la Coupe TELUS, on n'était pas sûr de se qualifier, fallait remporter contre Moujja. Alexandre Desgagnés en fin de troisième, c'est 2-1 pour Moujja. Qui marque le but, le gros but important pour nous transporter en demi-finale, Alexandre Desgagnés. Donc toute cette maturité-là qu'il a acquis pendant l'année là, est venue aider en ligne. Et pas seulement ça, il semblerait que il y avait une tendance du côté de Châteauguay, alors que toutes les fois que la formation de Bruce Richardson était au pied du mur, c'est là qu'on performait encore plus. Quand on l'a vu du côté de match 7 contre Esther Blondin, on l'a vu à la Coupe TELUS. C'était tout au long de la saison qu'on a. Mais ça démontre le caractère que ces jeunes hommes ont là, et c'est pour ça que je disais. Je vais arrêter de dire des jeunes hommes, c'est rendu des hommes, puis ils nous l'ont démontré. C'est un bon point que tu dis, Lawrence, parce que je me rappelle, nous autres, au début de la saison, quand on a commencé à faire les web décisions des matchs des Grenadiers, on l'avait mentionné, on dit, Benoît le disait tantôt, ces jeunes-là, Desgagnés, puis Coq, puis là, avaient aucune expérience dans le midget 3A, on voyait que c'était pénible, les premiers tirs en septembre, octobre. Il y a beaucoup d'erreurs défensives, exactement, en zone défensive, je me rappelle, on s'était dit tous les deux, ça va être long la saison défensive. Mais non, ils se sont mis à travailler, ces trois jeunes-là, là, avec le trio de Danny Craig, Sabourin et Taillefer. T'avais un big tree, t'avais un gros big tree, comme on l'a nommé là, dans le temps avec les Canadiens de Montréal, mais fallait justement le compléter, cette brigade défensive-là, et le fait des blessures en cours de saison, la suspension de cette match-là de Michael Sabourin, ça fait mal aussi, donc... Bien sûr, on pourrait encore en parler pendant une heure, mais là... On va en parler là, avec les entrevues. Effectivement, le temps nous file. Bruce Richardson ne pouvait être avec nous en direct ce soir, mais plus tôt en semaine, je me suis entretenu avec lui, alors voyons qu'est-ce qu'il y avait à nous dire suite à cette magnifique saison que les Grenadiers ont connue. Bruce, comment ça va? Ça va extrêmement bien. Bruce, dis-moi, après toute cette gamme d'émotions-là, la poussière a retombé, comment qu'on se sent aujourd'hui avec le recul? Écoute, on se sent très bien, je pense qu'on a accompli de belles choses cette année. Les jeunes vont en bénéficier là, pour le restant de leur vie. Je dis tout le temps, là, ils vont marcher ensemble pour le restant de leur vie, puis je suis convaincu d'ici 10 ans, quand ils vont se retrouver, là, tout dépendamment de chacun, qu'est-ce qu'ils vont faire, là, ils vont toujours être contents puis rester aggravés à mémoire. Ça va rester gravé à mémoire, effectivement. Après avoir disputé plus de 80 matchs dans cette saison, de quoi es-tu le plus fier comme accomplissement dans ta formation? Écoute, ça a été des hauts puis des bas, mais je pense que qu'est-ce que je suis le plus fier, c'est qu'on a tout le temps resté positif là dans notre saison, même quand on a eu des blessures, des suspensions. Les gars, ils ont tout le temps acheté le système. On avait des individus incroyables cette année qui nous a permis là, d'accomplir de grandes choses. Fait que je te dirais, là, en général, là, qu'est-ce que j'ai aimé le plus, là, c'est l'attitude des joueurs cette année. Là. En novembre dernier, les Grenadiers, on peut le dire, le ciel est tombé sur la tête après les blessures très rapprochées des deux gardiens de but. Beaucoup de gens ne donnaient pas beaucoup de chance aux Grenadiers suite à ces deux pertes-là. Et à la grande surprise de plusieurs, et peut-être même toi aussi, la formation s'est redressée et les gardiens de but aussi qui sont venus en remplacement ont fait le travail et ont permis aux Grenadiers de continuer dans cette lancée là quand même avec ces deux blessures. Écoute, ça l'arrive
arrive pas à chaque... Regarde, ça fait longtemps que je suis dans le hockey, là, puis j'ai jamais vu ça de ma carrière, là, que ça soit comme joueur, comme entraîneur, de voir là, deux goalers, là, une game après l'autre, là, tomber au combat. C'est sûr et certain, quand ça arrive, là, tu te dis, là, wow, qu'est-ce qui est arrivé là, puis tu recules deux minutes, puis tu regardes. Mais une chose que je me suis toujours dit, notre équipe, ça n'a jamais été l'histoire d'un joueur. On avait de la profondeur, on avait des gars avec du caractère, puis on avait des bons leaders. Fait que je le savais qu'on n'était pas pour se laisser tomber. Puis on a continué à compétitionner, on a continué à se battre toute l'année pour finir le plus haut au classement. Puis quand ils sont revenus, ben on n'avait pas perdu trop de terrain. Mm-hmm. Puis les gars ils ont continué à travailler, on a ajusté notre système. Puis on va donner au crédit aussi aux gardiens qui sont venus nous aider pendant cette période-là. Les Germain Favreau, les Racine, les Fleury-Rousseau, mm-hmm. ils ont fait le travail. Et puis plus les joueurs aussi qui ont fait le travail. Puis ça nous a permis de continuer à compétitionner. Est-ce que ça a été un point tournant dans cette saison de votre côté? Ben oui, ça a été un point tournant parce que c'est sûr que pendant ce temps-là, il a fallu qu'on améliore un aspect de notre game, c'était en zone défensive. Et puis, ça nous a permis de resserrer la zone défensive. Puis les gars l'ont fait, puis que quand Étienne est revenu, puis Ryan sont revenus là de leur blessure, ben on a continué à jouer ce même système de jeu-là. Puis ça a juste bénéficié là, mm-hmm. notre équipe là, pour le long de la saison après. Ça, c'est une question de Claude et de Lawrence, Bruce. Est-ce que la perte des deux gardiens de but a fait en sorte que les Grenadiers n'ont pas pu bénéficier d'un deuxième championnat de la division Reebok, selon toi? Écoute, c'est dur à dire aujourd'hui, on le sait pas. Moi, je pense que peut-être. C'est dur à répondre à cette question-là, mais je pense que avec les résultats qu'on a eu, le plus important, il est à côté de moi. C'est ça, en plein ça. Puis à un moment donné, on avait eu un meeting d'équipe. Puis oui, on s'avait mis comme objectif de regagner le championnat de division, mais on s'avait aussi mis comme objectif d'aller à la Coupe TELUS. L'année passée, on a gagné le championnat de division, mais tu sais, on n'a pas réussi. Fait que j'aime mieux avoir ce trophée-là qu'un championnat de division. Puis la fierté d'avoir gagné notre ligue là, dans les séries est encore plus grande parce qu'on a fallu qu'on passe à travers 4 rondes et non à travers 3 rondes. Fait que, tu sais quoi, présentement, là, on va quand même accrocher une autre bannière, puis je pense que c'est une bannière bien plus importante qu'un championnat de division. Effectivement. Bruce, si on parle du côté des séries éliminatoires, on peut dire que les matchs à l'extérieur vous ont souri. Du côté de Trois-Rivières, vous avez remporté un match très important en prolongation. Et du côté de la grande finale, une des premières fois dans la Ligue Midget 3, tous les matchs à l'étranger ont été remportés par l'équipe qui était visiteur. Est-ce que... selon toi, qu'est-ce qui faisait en sorte que les arénas extérieurs vous portaient si chance? Écoute, on a mis un petit peu d'emphase sur ça, nous autres, cette année, parce que je dis tout le temps, moi, là, dans ma carrière, là, c'était facile jouer à maison. T'sais, on dirait que t'es tout le temps plus tough jouer à maison. T'sais. Aller jouer sur la route, c'est tout le temps plus dur, puis c'est là que tu vois les vrais guerriers. Puis je pense qu'on avait bâti notre équipe avec de l'attitude, avec du caractère, puis qui nous a permis que quand on allait sur la route, là, nous autres, ça nous dérangeait pas. Puis on a réussi à performer, mais tu sais, c'est sûr et certain qu'au bout de la ligne, la game est jouée sur la glace. Mm-hmm. Les gars, là, ça n'a jamais été un aspect, nous autres, sur la route ou à la maison. On allait sur la glace, on était sur 200 par 85 pieds, puis nous autres, on avait un job à faire, c'était aller gagner la game, qu'on soit sur la route ou à la maison. Puis on n'a jamais vu ça comme sur la route ou sur la maison. Si on laissait ça à vous autres, aux experts, gagner, nous autres, on allait chaque game, no matter where, on voulait gagner ce match-là. Bruce, si on regarde tout au long de la saison, tu nous as parlé d'un marathon. Ce marathon-là est enfin terminé. Êtes-vous un petit peu essoufflé après toute cette gamme d'émotions-là? Écoute, je te cacherai pas que oui. Ouais. Je te dirais que ma femme, depuis une couple de jours, elle me reconnaît plus. Je prends beaucoup de repos. C'est épuisant. T'sais. On a commencé ça le 2 août avec le camp de perfectionnement. Puis encore aujourd'hui, on est là-dedans. C'est dans la prochaine saison, là, avec le pré-camp et le tournoi printanier. Là, on est revenu le 28. Une journée soir. De congé, si on regarde ça, avec le retour de la Coupe TELUS. Puis oui, nous autres, on n'est pas sur la glace à se frapper ou à s'essouffler, mais tu sais, à l'extérieur de la glace, la préparation, là, je dis tout le temps, là, un coach, quand je jouais, t'avais juste toi de préparer. Un coach, t'en as tout le temps 20, 25 ou 100 à préparer, tout dépendamment de la situation là, avec le pré-camp. Fait que oui, je te dirais là que j'ai hâte au 12 mai
quand le tournoi printanier va être fini, puis pouvoir là, passer du temps avec ma famille, relaxer un peu, puis enjoyer la vie familiale, parce qu'un coach, là, surtout moi, là, je mets beaucoup de temps à être sûr que tout fonctionne. Tu sais, tu me connais, j'aime ça quand tout est fait professionnellement. Puis, les heures, tu les comptes pas. C'est ça, les heures, je les compte pas, mais je te dirais que là, j'ai hâte de prendre un petit break, puis de relaxer un peu. Si on fait un retour sur la Coupe TELUS, la deuxième participation de l'histoire des Grenadiers de Châteauguay. En 2006, il avait les Patriotes avaient accédé à la médaille de bronze. Pour la première fois, Châteauguay a participé à cette médaille d'or. Et ça a été tout un match de hockey. Un des matchs sont... On va entendre parler. Et, tu n'entends encore parler, j'en doute pas. Moi aussi, je me promène à Châteauguay, on en entend encore parler. Puis, malheureusement, ça n'a peut-être pas été le résultat souhaité, alors que vous êtes incliné par la marque de 4-3 en 3e période de prolongation, un record dans la Coupe TELUS pour la durée d'un match. Qu'est-ce qu'on retient de cette Coupe TELUS? Écoute, même si on n'a pas l'objectif qui était la médaille d'or. Premièrement, juste d'avoir gagné dans notre ligue, je pense que c'est un accomplissement. Après ça, d'avoir l'opportunité d'aller à la Coupe TELUS, qui est organisée par Hockey Canada, ça a été tout un événement. Ça a été incroyable. C'est une expérience enrichissante pour les joueurs. Je le répète souvent. Mais pour souvent. Vous aussi. Oui, c'est ça. J'ai fait du hockey. Là, j'ai été à la Coupe Memorial en 97. J'étais en finale de la Coupe du Président là, comme joueur. J'ai été dans les séries de la Ligue américaine. J'ai gagné un championnat en Europe. J'ai fait beaucoup de choses là en tant que joueur de hockey puis de coach de hockey, mais j'ai jamais vécu une expérience comme qu'on a vécu à la Coupe TELUS. Les joueurs ont été traités en professionnels. La manière que c'était organisé, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis le résultat au bout de la ligne, on voulait compétitionner pour la médaille d'or, on l'a fait, on voulait la médaille d'or, mais je pense qu'on a donné un bon spectacle, puis je pense qu'on a pris l'avion là en direction de Châteauguay, la tête très haute. Tu sais, quand t'arrives en 3e période de prolongation, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Puis des fois, c'est pas tout le temps la meilleure équipe qui gagne. Effectivement. C'était deux équipes là qui se sont données pendant 7 jours, et puis les gars là, ils ont tout donné. Puis un coach là peut pas être plus fier de qu'est-ce que les joueurs ont accompli. Je veux dire, je suis extrêmement fier de ces gars-là. Là. On aurait pu revenir. La médaille d'argent a un goût d'or quand même au bout de la ligne. Surtout dans le contexte que ça s'est produit. C'est ça. C'est en plein ça. Mais tu sais, les gars se sont vidés. Puis un coach, on demande tout le temps aux joueurs de pousser la limite. Puis là, regarde, ils l'ont poussé la limite. Puis aujourd'hui, là, c'est eux autres qui en ressortent. Puis cette game-là, là, je peux te dire que dans 3-4 ans, on va en reparler encore. Ça sans aucun doute. Parce que je vois du monde là, puis qui m'en parle. Ils t'en parlent encore. J'ai du monde qui me disent, je regardais la game junior majeur, mettons, à TVA Sport, whatever, puis je regardais cette game-là. Cette Coupe TELUS. Puis je regardais le niveau de jeu. Il n'y avait pas une grosse différence. C'est le fun d'entendre. Bruce, peut-être on va voir venir sur ma prochaine question. Depuis la Coupe TELUS, beaucoup de gens ne te revoient pas, ne pensent pas te revoir derrière le banc des Grenadiers de Châteauguay, alors que t'as maintenant le record, c'est toi qui le détiens avec le plus de matchs de disputés en tant qu'entraîneur à Châteauguay. Est-ce que on a des chances de te revoir la saison prochaine ici à Châteauguay, ou peut-être une opportunité pourrait s'offrir à toi au niveau Ligue junior majeure du Québec, alors qu'on sait il y a un poste de disponible actuellement à Victoriaville? Ouais, écoute, c'est sûr et certain qu'il y a des chances de me revoir à Châteauguay, comme qu'il y a peut-être des chances que je fasse le saut dans le junior majeur. Je vais vraiment être honnête avec vous là présentement, c'est juste des rumeurs de réseaux sociaux là, de médias sociaux. J'ai rencontré une équipe déjà, et puis je m'apprête à rencontrer une autre équipe. Mais tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait une offre concrète. Je peux pas prendre de décision. Je vais être honnête avec toi, là, dans les 3 dernières années, j'ai aimé mon temps ici. J'ai une famille, j'ai 2 enfants aussi que faut que je mette en considération. Je suis un gars de famille, puis ma famille, c'est ça la plus importante. Fait que, tu sais, c'est dur de prendre une décision quand que t'as pas vraiment encore d'offre ou rien de concret. Fait que je te dirais que les deux chances sont super bonnes. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'adore mon... qu'est-ce que je fais ici. Je suis vraiment... j'en dois beaucoup à M. Parent, là, qui m'a donné cette opportunité-là. C'est une organisation de première classe. Fait que, regarde, mais que la situation, si elle arrive, on prendra une décision, mais là, présentement, elle n'est pas là. Rose, en terminant, lorsque tu vois ce trophée-là à côté de toi, qu'est-ce qui te vient en tête? Fierté. Je veux dire, c'est une fierté. Des trophées comme ça, là, surtout au hockey, là, que ce soit la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, ou c'est tout le temps le trophée le plus dur à gagner, parce que on joue 4 rondes,
c'est exigeant. Les gars vont à l'école. C'est un trophée très exigeant à gagner. Puis faut que tu passes par toutes les gammes d'émotions. Puis de voir les gars d'avoir compétitionné puis de soulever ce trophée-là, ben c'est juste une fierté. C'est ce mot-là qui revient en tête. Rose, merci beaucoup pour cette saison. À l'an prochain, puis félicitations encore. Merci. Soirée sportive, dès le 9 septembre, seulement sur RDS. Alors, comme promis du jour d'invité, je reçois Martin-Olivier Cardinal, le capitaine, et Michael Sabourin. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, Martin, on commence par toi. Comment tu as vécu ta saison en tant que capitaine? Ben écoute, c'est sûr que c'est un gros rôle d'être capitaine. J'ai été vraiment honoré, vraiment content de pouvoir porter le cire sur mon chandail. Je pense que ça a bien été là au cours de l'année. Là. Tu as eu quand même une très bonne saison offensive, tu as eu une chance là, d'aller avec Victoriaville. C'est quoi tes projets là, après cette année? Là, c'est sûr que moi je veux jouer à Victoriaville l'année prochaine. Fait que je vais aller au camp, je vais me vider. Qu'est-ce que tu penses que cette année-là, là, d'aller aussi loin de la Coupe TELUS, de gagner, t'a apporté pour justement là, aller au prochain niveau? Là, c'est sûr que c'était important parce qu'on s'est fait voir. On a joué plus de matchs que certains autres joueurs qui vont être à Victoriaville au camp. Puis on a gagné. Fait que ça, c'est sûr que les équipes généralement cherchaient des gagnants pour pouvoir gagner eux à leur tour. Marc Olivier, durant la saison, ton rôle était. Tu faisais partie de la première vague ou de la deuxième vague en défensive. Est-ce que c'était un rôle que tu visais au début de la saison de avoir à faire au coin de la saison? Défensif que je sais que c'était ça mes habiletés. Fait que j'étais vraiment content de pouvoir jouer sur en désavantage numérique, mais aussi j'avais mon temps sur l'avantage numérique, fait que ça a bien été. Est-ce que tu crois, Marco, que durant la saison, tu faisais une vague avec Tyler Island, si je me rappelle bien. Oui. Or, puis vous avez fait un duo fantastique, on vous a vu durant les séries. Vous avez sauvé beaucoup de buts, vous l'avez compté aussi. Or, c'était quoi le rôle que tu avais avec Tyler, c'est votre chimie ensemble? Ben ça a bien été, tu sais, on se connaît depuis quand même assez longtemps, moi et Tyler. Puis jouer ensemble, ça a vraiment été le fun. T'sais, on jouait à patinoire là, à l'extérieur. Puis, pouvoir jouer ensemble dans la même équipe, c'est la même ligne, c'était vraiment de quoi de plaisant. Ben, moi, ton tournoi à la Coupe TELUS, ça a été un tournoi du tonnerre pour toi. En plus, lors de la partie finale, tu t'es illustré avec le but important qui égalisait la partie et quelques passes aussi. Ouais, je suis content de mon tournoi, mais tu sais, c'est un travail d'équipe. Je suis pas tiré sur la glace. Si les quatre autres seraient pas là, je n'aurais pas pu faire ces points-là, c'est sûr. Alors, Michael, l'an dernier, tu as disputé plusieurs matchs avec les Grenadiers. J'imagine que ça te donne une expérience en début de saison. Écoute, c'est certain que j'ai acquis de l'expérience l'année passée en jouant à quelques games avec les Grenadiers. Ça m'a donné la chance d'arriver en force au camp cette année. Michael, tu es un défenseur là, à caractère défensif là, à la base, mais je pense que Bruce, tu as utilisé avec beaucoup de confiance, puis tu as eu un temps en avantage numérique. Parle-nous un peu de ton rôle là, cette année avec les Grenadiers. C'est sûr que mon rôle, c'était de jouer défensivement impeccable. Je pense que j'ai été un pilier cette année défensivement, mais il m'a utilisé sur l'avantage numérique. Puis je pense qu'il a bien fait parce que je forçais pas le jeu, je faisais des belles passes. Des fois, j'emmenais le puck au net, puis ça a bien été, selon moi. Puis parle-nous un peu là, de l'expérience de défendre justement la zone des Grenadiers, mais devant Étienne Monpetit, là, on le sait, là, Étienne Monpetit a été solide là, tout au long de l'année. Parle-nous un peu là, justement d'Étienne. Là. Écoute, c'est sûr qu'on a confiance quand on est devant Étienne. Même si on fait une gaffe, on sait qu'on a Étienne en arrière qui va faire des gros arrêts, puis c'est sûr que ça nous aide quand on fait nos jeux. Et si on revient, Michael, on va m'adresser aux deux. Lorsque vous étiez à Mouja durant la Coupe TELUS, la plupart des joueurs des adversaires que vous avez rencontrés avaient 17 ans.
alors que nous autres, on avait des jeunes de 15 et 16 ans dans la formation des Grandiers. Qu'est-ce que ça peut avoir apporté, là? C'est certain que à 17 ans, tu avais peut-être 5, 10, 15 livres de plus sur les épaules, là. Alors, comment vous avez trouvé le jeu, là? Est-ce que c'était beaucoup plus physique, là, que dans les parties ici, dans le circuit Midget 3? Je pense que la ligne de 3, c'est vraiment la meilleure ligne de 3 au Canada. Je trouve que le calibre de jeu était meilleur ici que, ouais, à Midget. Ici, c'était plus physique, c'était plus rapide. On était vraiment à Midget. OK, mais fait que tu dis, dans le fond, que les jeunes, même s'ils avaient 17 ans, vous étiez capables de compétitionner, vous aviez pas de problème de ton côté, Michael? Même. Ben, je pense que nous, on nous a bien préparés pour ça. Je pense qu'on a tout, arrivé en shape là-bas, puis on n'avait pas peur d'affronter des 17 ans qui avaient peut-être 5 ou 10 livres de plus que nous autres. C'est ça aussi qui nous aide à avoir affronté les 17 ans. En terminant, si je vous demande, en quelques mots chacun de votre côté, quel a été l'événement, le point culminant de la saison? On oublie la Coupe Jimmy Ferry, la Coupe de... Durant la saison, quel a été le moment là qui a été le tournant de cette saison, selon vous? Est-ce que ça vous a permis cet événement-là d'être encore plus fort comme équipe pour vous amener peut-être même, on peut le dire, à la Coupe Jimmy Ferry? Ouais, c'est ça, parce que tu sais, on s'est regroupé là, malgré la perte de nos deux gardiens là, fait, on a joué ensemble. On savait qu'on avait des recrues dans le filet, mais tu sais, on a gardé le jeu simple. Ça permet à tout le monde là, d'avoir un rôle différent aussi, pour gagner de l'expérience là, qui était valable justement là, en cours de série là, où est-ce qu'on a besoin de ta profondeur. Là. Ça l'a aidé aussi à notre défensive à s'améliorer. On bloquait encore plus de shots quand on avait perdu nos deux. Vous avez perdu, par moment, tu étais suspendu 7 matchs. Ouais. Après ça, il y a eu Danny Craig qui a été blessé, Taillefer aussi. Donc, c'est les Peacock, les dégagnés, les pilotes ont eu plus de temps de jeu là, en défensive. Mais je pense aussi que c'est justement ça qui nous a aidés. Parce que rendu en série, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Puis, ils avaient l'expérience de jeu. Ils ont joué beaucoup de minutes lorsqu'on était parti, suspendu ou blessé. Donc, c'est sûr que ça allait aider. Les gars, merci beaucoup. Bonne chance pour la saison prochaine. On se laisse pour une courte pause retour à Tyler Island. Merci. À la Cage au sport, quand on dit bienvenue aux fans, ça veut dire tous les fans. Les débutants. L'arbitre a laissé tomber son mouchoir. Les naïfs. Non, non, je te jure. La lutte, c'est pas arrangé. Les nostalgiques. Des casques. Moi, dans mon temps, les casques étaient faits en jeu. Les rêveurs. Tout ce qui nous manque, là, c'est 3-4 bons défenseurs, 2 gros trios, un gardien, puis on est là. Et les groupies. La Cage au sport, bienvenue aux fans. Le championnat mondial de hockey junior à Montréal, c'est en décembre prochain. Les forfaits incluent 5 matchs d'équipe Canada et les duels face aux États-Unis et les champions en titre la Finlande. Procurez-vous vos forfaits de billets au hockeycanada.ca/junior2015. Un événement que vous ne voulez pas manquer. Cette émission spéciale bilan de saison 2013-2014. On a maintenant notre compagnie Tyler Island. Tyler, comment ça va? Bien, toi? Très bien. Tyler, on peut dire que tu as connu une très bonne saison avec les Grandiers de Châteauguay. Tu es un des meilleurs espoirs dans le circuit terrien. Dis-moi, comment tu as vécu ta première saison dans la Ligue Midget 3? Ben, au début, c'est un peu difficile. C'est un gros changement du bantam. Puis ça m'a pris du temps à accepter que j'allais pas scorer autant. J'allais pas avoir autant de points. Puis aussitôt que j'ai accepté ça, j'ai commencé à bien jouer, bien faire, puis c'est là que j'ai commencé à faire des points, puis à être regardé par tout le monde dans les estrades, puis par les coachs. Il y a eu une belle progression dans ton cas. En séries éliminatoires, dans la Coupe Jimmy Ferrari, tu as eu comme 5 buts, mais 3 de ces 5 buts-là ont été en désavantage numérique. C'est quoi la recette du succès pour expliquer ça? Je pense juste... J'ai bien lu le jeu, puis j'ai utilisé ma vitesse beaucoup, puis ça que j'ai eu des bons, un peu chanceux, mais avec la vitesse, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Tyler, on a fait, moi et Lawrence, la plupart des descriptions des parties de hockey cette année à la WebFusion. Et ton développement de début de saison, au début de la saison jusqu'à la fin, moi je peux te dire une chose, tu m'as impressionné, Tyler, parce que tu travailles dans les deux sens de la patinoire, autant en défensive qu'en offensive. À partir de quand que ça a commencé à déboucher, là, lorsque vous avez eu la perte d'Étienne, Ryan qui a quitté aussi, les deux ont été blessés, tu t'es mis au travail dans les deux sens, c'est où tu as commencé à débloquer, Tyler? Je pense pour moi, c'était la Coupe Québec. Pas faire partie de l'équipe U16, c'était nouveau pour moi, j'ai toujours été choisi là-dedans, puis je pense que j'avais quelque chose à prouver, puis j'ai...
j'ai commencé à travailler encore plus fort que je travaillais, puis c'est là que ça a commencé à déboucher. Je t'ai dit, Tyler, je vais leur montrer que j'avais affaire avec les gars. C'est ça, exactement. Puis justement, là, ça c'est un prélude pour l'an prochain, justement, pour les moins de 16 ans, là, pour les moins de 17, alors que tu vas avoir 16 ans. Là, la liste vient de sortir, t'as monté beaucoup dans la liste. Qu'est-ce qu'il ressort quand que tu parles au recruteur? Qu'est-ce qui la première chose qui vient quand il parle de Tyler Allen? Je pense que c'est vraiment ma vitesse et mon éthique de travail. Je travaille dans les deux sens de la patinoire puis j'utilise bien ma vitesse sur le piqué puis sur le forecheck. Parle-nous un peu là, de la Coupe TELUS. Là, ça a été un événement là, où tu as performé encore une fois en finale. Il y a eu des buts très importants là, de ta part au cours du tournoi. Comment tu as vécu là, la Coupe TELUS en Saskatchewan? C'était un événement incroyable. C'était vraiment le fun. Puis, c'est sûr qu'on voulait un autre résultat, mais je pense que toute l'équipe a bien joué puis on est quand même fiers de ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu dirais tout à l'heure qui est ton atout principal? C'est-tu ta vitesse? Moi, j'ai vu durant les descriptions des games que quand tu te mettais, comme on dit dans le hockey, en deuxième vitesse, tu contournais, surtout en finale, contre Star et Blondin, je t'ai vu te mettre en deuxième vitesse parce que leur défensive était nonchalante. Quand elle devait se revirer sur un 180 degrés, tu pouvais utiliser ta vitesse pour les contourner. Puis ça t'a amené des buts durant cette finale-là. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à voir que je pouvais battre n'importe quel D presque avec mon vitesse, c'est ça, c'était mon atout principal, c'est sûr. En terminant, peut-être là, ton scénario de rêve pour l'an prochain, est-ce que c'est de faire déjà le saut dans la Ligue 3, la Ligue junior majeure du Québec, ou peut-être un scénario là, de revenir ici là, en tant qu'un joueur là, de 16 ans? Mais c'est sûr que je voudrais être à la GMQ l'année prochaine, mais je pense pas que ça serait mauvais de revenir ici puis de développer encore plus. Ça va être à l'équipe de décider si je me fais drafter. Tyler, en terminant, lors du prochain branche des champions, tu es en nomination pour la quatrième étoile, dont la Coupe du Président. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait en tant que joueur individu d'être en nomination dans cette catégorie que Marc-André Léman, l'entraîneur adjoint, a déjà remporté lorsqu'il était joueur pour les Forestiers d'Amos? C'est sûr que c'est le fun, là, mais je pense que toute notre équipe devrait avoir quelque chose au branche des champions. On a tout lever notre niveau de jeu en playoff quand il fallait faire ça, puis ça a porté fruit quand on a gagné la Coupe. On peut dire peut-être que la Coupe Jimmy Ferry, c'est le trophée que la formation méritait. Exact. Tyler, merci beaucoup et bonne chance pour la suite des choses. Alors, on se quitte pour une courte pause. Au retour, l'émission spéciale des Grenadiers de Châteauguay, bilan de saison 2013-2014. Nous sommes de retour à l'émission spéciale des Grenadiers de Châteauguay, bilan de saison 2013-2014. Maintenant, on a des vétérans avec nous, Danny Craig, Justin Sanson. Messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Très bien. Messieurs, on peut dire que vous avez connu une très bonne saison avec les Grenadiers de Châteauguay. Justin, troisième saison avec les Grenadiers de Châteauguay. Dis-moi, quel a été ton parcours, comment tu as vécu ton parcours là jusqu'à maintenant, depuis trois saisons? Bien, à notre première saison, on avait une moins bonne équipe, puis on était éliminé en première ronde par les Albatros de CND. Puis l'année passée, on a vécu une grande déception en perdant 7 matchs contre Québec en demi-finale des séries. Puis cette année, ben on s'est servi de cette expérience-là, dans le fond, pour aller jusqu'au bout. Puis c'est de ça qu'on a fait là. Est-ce que justement là, cette expérience-là, vous l'avez apportée aussi aux plus jeunes? Parce que il y avait des joueurs de 15 ans, il y avait des joueurs de 16 ans qui n'avaient pas fait partie de l'équipe l'an passé. Qu'est-ce que vous leur disiez là, dans la chambre avant les matchs, là, important? Mais on leur disait de jouer leur match, c'est un match comme les autres, puis même s'il y a beaucoup de monde, tu sais, ça reste la game, ça reste la même game en tant que telle. Puis quand on se faisait scorer un but, où on était là pour calmer les plus jeunes, dans le fond, pour tu sais que c'est un but, c'est pas grave, là, on le sait qu'on va être capable de revenir. Là. Danick, si on va sur ton côté, Danick, durant la saison, tu as eu des blessures, que tu as traîné longtemps, tu as joué même certaines games, tu n'étais pas à 100%.
Comment tu te mentalement et physiquement tu te préparais pour ces parties-là? Ben moi je voulais pas que ça soit une excuse comme avant un match, mettons comme j'ai un exemple l'épaule. Ben, je voulais pas que mon épaule soit un exemple ou une excuse pour que mettons si je joue mal ou. Fait que je me préparais de la même manière, j'essayais de jouer le même style de jeu que je jouais d'habitude. Puis c'était moi qui voulais jouer avec la blessure, puis c'était moi qui fallait qu'il subisse les conséquences. Ton expérience d'Annick à la Coupe TELUS, comment ça s'est passé? Moi, malheureusement, j'étais pas à Mouja, mais j'ai tout regardé sur la web. Tu as eu des très belles performances durant le tournoi. Alors, comme j'ai posé aux deux autres vétérans tantôt, comment tu voyais le jeu d'équipe des équipes adverses, là, dans l'Ouest canadien, l'équipe de Toronto? Comment tu as vu ça, Danick? Ben, je trouve que nous autres, on était plus une équipe rapide qu'eux, admettons. Je sais que le Mentos Prince Albert, eux aussi, avaient une équipe très rapide. Mais côté physique, on était pas mal l'une des équipes là, qui jouait, mettons, plus physiquement d'un game. Mais notre style de jeu, la Ligue Midget 3 du Québec, était, je pense, vraiment supérieure aux autres. Là, le calibre de jeu. Allez-vous être d'accord avec moi? J'ai vu, moi, durant ces parties-là, juste la même chose. On va avoir votre réponse. Bruce s'adaptait facilement. Olivier me disait qu'il passait des heures à regarder des vidéos, puis il vous adaptait d'une partie à l'autre, il vous amenait sur le bon chemin à toutes parties. Mais c'est sûr, Bruce, il amenait Yves Jalbert puis Dave Wackler, puis il filmait les games dans le fond pour savoir le plan de match adverse. Fait qu'à chaque soir, avant d'aller dormir, ben, on avait un vidéo meeting dans le fond. Puis on savait tout ce que l'autre équipe allait faire le lendemain, fait que c'était plus facile pour nous autres de s'adapter à ça. Moi, j'ai une question pour Justin. Bruce Richardson est arrivé l'année où toi, tu as commencé dans la Ligue Midget 3. Donc, tu n'as connu qu'un seul entraîneur pendant ton parcours Midget. J'aimerais que tu me parles de... Puis en plus, dans ta fiche, le FAB que j'ai écrit, tu avais écrit « Bruce Richardson est l'entraîneur qui m'a le plus influencé ». J'aimerais savoir pourquoi et... qu'est-ce qui a changé, lui, en tant que coach dans les trois dernières années? Parce que quand je suis arrivé du bantam, le bantam, c'est deux pratiques par semaine, puis c'est plus... c'est moins intense, si tu veux. Puis Bruce, au début, quand je suis arrivé dans la ligue, j'avais 15 ans, puis j'étais plus... pas plus à l'aise, mais comme, tu sais, je travaillais peut-être moins que... C'est Bruce, dans le fond, qui m'a montré surtout le cycle de travail. Puis je pense que ça m'a aidé tout le long de mon parcours midget, puis il m'a surtout appris à bien jouer défensivement, puisqu'avant j'étais plus un joueur offensif. Maintenant il m'a appris à mieux jouer dans ma zone, ce qui va m'aider dans le futur. Danick, tu es un défenseur là, à caractère offensif. Qu'est-ce que tu dois améliorer là, pour justement le passer au prochain niveau là? C'est sûr que dans ma zone, il faut qu'il y a tout le temps place à amélioration. Là. J'aimerais ça devenir un défenseur qu'on appelle two-way, aussi bon en défensive qu'en offensive. Fait que je pense que vraiment là, ça va être dans ma zone, être plus fiable défensivement, jouer plus simple, moins être à risque. Même chose là, pour Justin, là, peut-être qu'est-ce que dans ta game là, t'aimerais améliorer là, au cours des prochaines années? Parce qu'à 17 ans, là, t'es loin d'avoir atteint là, ton plein potentiel. Ah, c'est sûr, moi c'est surtout plus mon accélération pour battre les défenseurs de vitesse. Puis ma zone défensive de la peaufiner pour l'année prochaine à junior. C'est quoi la suite des choses? Quelles sont les prochaines étapes de votre côté alors que vous avez les deux une chance de vous tailler un poste pour une formation dans la Ligue junior majeure du Québec? Ben pour moi, c'est sûr que je vais me présenter au camp de Victo. Je vais travailler fort cet été pour essayer de percer l'alignement. Puis après ça, si ça marche pas, on va regarder les plans B. Moi, c'est sûr, c'est jouer à Rimouski l'année prochaine. Puis je vais travailler sur peaufiner ma zone défensive. Puis prendre un petit peu de masse musculaire pour arriver prêt au camp. En terminant, Justin, ça fait trois saisons d'année de ton côté, deux. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez retenir de votre passage avec les Grenadiers de Châteauguay? Ben pour moi, ça va être, ça a été les deux plus belles années de ma vie, là, être dans un sport étude, être tout le temps avec les gars de l'équipe, pratiquer à chaque jour, toujours être en l'entourage de l'équipe, ça a été exceptionnel, là, j'oublierai jamais ça. Puis en plus, pour finir, on gagne les séries, Coupe TELUS, on peut pas demander mieux, là. Moi aussi, c'est la même chose. C'est surtout être avec les gars. Tu vas à l'école avec les gars, tu viens ici, tu pratiques avec les gars. Puis après les pratiques, on se rencontre souvent chez quelqu'un, puis on regarde les games de hockey. Puis c'est surtout l'atmosphère avec les boys qui va me manquer. Puis c'est sûr que ça a bien fini, on a gagné, puis ça va tout le temps rester gravé dans ma mémoire. Messieurs, merci beaucoup. Félicitations. Alors, merci. On se laisse pour une courte pause retour. Benoît Perron et Michel Parent. J'ai rencontré Dave quand mon père m'a amené à la Source du sport pour mes premiers patins. Alors, quand est venu le temps d'acheter des patins à mes propres enfants?
j'ai demandé conseil à Dave. Maintenant, Jérémy joue dans la Ligue Junior A et Lindsay est sur l'équipe universitaire. Est-ce que Dave pourrait se vanter du succès de mes jeunes sur la glace? Non, car il est trop humble. Mais je tiens à le remercier. De bons conseils, le meilleur équipement, la source du sport, le sport, on connaît ça. Avant de saisir le moment, tu as besoin du bon équipement. À la source du sport, notre système d'ajustement personnalisé Avantage Proformance garantit un ajustement parfait pour ton style de jeu à chaque partie. La source du sport. Le sport, on connaît ça. Nous sommes de retour, nous sommes en compagnie de Benoît Perron, gouverneur et directeur général, et M. Michel Parent, président de la formation des Grenadiers de Châteauroux. Messieurs, comment allez-vous? Très bien. Et toi, Charles? Très bien. Messieurs, la poussière est retombée, les esprits se sont calmés. Ensuite, après cette gamme d'émotions, la Coupe Jimmy Ferry, deuxième pour vous, alors que vous êtes depuis le jour numéro un de l'existence de la formation Châteauroux, et une deuxième participation à la Coupe TELUS. Dites-moi, en 9 saisons, on peut pas demander mieux de votre côté. Ben, c'est assez fantastique, c'est assez rare qu'en 9 saisons, tu peux arriver avec tous ces honneurs. Le résultat, c'est quand même le résultat de toute l'équipe, de tous les bénévoles et tous les jeunes qui ont mis la main à la pâte, et ça a donné ce très beau résultat-là à ce moment-là. Benoît, toi qui étais peut-être un petit peu plus au courant, tu es plus proche du côté hockey, comment tu as vécu ça de ton côté avec Bruce et Marc-André? Les deux coupes ont été différentes d'une certaine façon. C'est sûr qu'avec Marc-André Dumont, lors de notre première saison, on pouvait pas demander mieux. Je veux dire, une première saison dans une ligue provinciale, tu gagnes la Coupe Jimmy Ferrari, ensuite tu vas gagner la médaille de bronze au championnat national à l'île du Prince-Édouard. Tu pouvais pas demander mieux. Pour qu'est-ce qui est de cette saison, la neuvième saison, ça a été tout aussi plaisant. Bruce est un coach extraordinaire, lui aussi. Il a su amener les jeunes à un niveau qui était, à ma façon, à moi, qui était inégalé depuis plusieurs saisons. Il a fait un travail exceptionnel avec les jeunes et son coaching staff. Est-ce que vous diriez chacun là, que peut-être que la préparation, même l'organisation en tant que telle, de niveau un peu junior majeur, est-ce que ça a fait une différence, vous pensez, là, en cours de route? Ben, l'important, ça commence au tout début. Hein. C'est dans le choix des joueurs. Parce que souvent, on le répète, oui, c'est important de choisir les meilleurs joueurs, mais disons les meilleurs joueurs qui vont jouer ensemble. Meilleurs individus. Puis en même temps aussi, il faut se rendre compte que je crois que c'était clair dans la tête de tout le monde. Puis lorsque le coaching staff a rencontré tout le monde, a dit « voici nos attentes ». Êtes-vous prêt à embarquer avec nous, oui ou non? Donc, il n'y a personne qui pouvait dire on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Gardez quel genre de joueur qu'on veut. On veut avoir des joueurs qui travaillent avec rigueur. On veut avoir des joueurs qui se dépassent. Puis on veut avoir des joueurs qui travaillent ensemble. Donc, c'est ça nos attentes. Pour au fur et à mesure qu'on a évolué dans la saison, oui, on a appris étape par étape, pas par pas, marche par marche à monter. Mais c'était clair pour chacun des joueurs que ça affecte une équipe qui a monté tout au long de la saison, puis ça a fait une équipe qui s'est tenue ensemble, ça a fait une équipe qui a voulu arriver vers le même objectif, et ça a donné ça. C'est surtout ça le point. Aussi le côté agréable, faut pas se le cacher, là, du midget 3A, tout le monde comme vous tous, on est tous des bénévoles, on travaille tous en entour, puis c'est agréable de venir à l'aréna, c'est agréable de venir ensemble lorsqu'on a du plaisir, puis on dit voici, on essaie quelque chose de nouveauté, tout ça, qu'on peut s'en parler puis en discuter ouvertement. Donc ça, c'était le beau côté, je crois, de toute l'organisation et de tous les joueurs, surtout, de dire, regarde, oui, on embarque, oui, on sait quoi vos attentes, oui, on va respecter ces attentes-là, puis on est arrivé jusqu'au bout. Ça, c'était le plus beau... Du côté de Benoît, côté. Peut-être, est-ce que tu as trouvé que le moment, là, au moment où on a perdu les deux gardiens, est-ce que les jeunes, au lieu de, si on veut, là, s'effondrer, si on veut élever notre jeu d'un cran, on a fait face à de l'adversité, ça a fait qu'aujourd'hui, ben, ils ont peut-être tous grandi, là, ces jeunes-là. Mais je pense que Michel en a parlé un petit peu. On a eu un groupe de jeunes extraordinaires cette année. Tout le monde a accepté son rôle. Et lorsqu'on a perdu nos deux gardiens de but, il était évident qu'il fallait changer notre style de jeu.
jouer des parties Midget 3 avec des gardiens substituts, c'est pas évident pour les jeunes. C'est beaucoup de pression pour les jeunes qui viennent remplacer nos deux gardiens de but réguliers. Et les 18 autres joueurs ont embarqué dans le bateau. Et comme j'ai dit au début, chaque jeune a accepté son rôle. Vous savez, n'importe quelle équipe qui gagne un championnat, je retourne dans le temps du Canadien de Montréal qui gagnait des Coupes Stanley à répétition, ou ben non, les Oilers d'Edmonton. Dans ces équipes-là, il n'y avait pas toutes des Guy Lafleur puis des Wayne Gretzky. C'est une chimie de joueurs, d'individus qui se mettent ensemble, qui ont tous un rôle à jouer, puis ils l'ont accepté, ce rôle-là. Mm-hmm. Et tout au cours de la saison, on a vraiment ressenti de ce groupe de jeunes-là qui était vraiment inculqué dans la manière de faire de Bruce et dans la philosophie de notre équipe. Et c'est ces jeunes-là qui ont embarqué dans ces idées-là puis qui ont donné les résultats qu'on a eu cette année. Mais Benoît, est-ce que tu crois que, comme Lawrence vient de mentionner, lorsqu'on a perdu nos deux gardiens but, Coughlin puis mon petit au mois de novembre, est-ce que tu crois que c'est le tournant de la saison? Ou est-ce que les jeunes qui venaient d'arriver, de faire leur premier pas avec les Grenadiers, ont commencé à se démarquer suite à l'absence des deux gardiens de but? Ils se sont mis à travailler beaucoup fort et on a vu le succès par la suite en janvier. Écoute, Claude, toutes les équipes championnes sortent championnes dans l'adversité. Je crois que lorsqu'on a perdu nos deux gardiens de but, ça a juste donné la chance à certains joueurs d'élever leur niveau de jeu d'un cran. Et ça s'est répété de façon continue au travers des matchs suivants pour maintenir un niveau de jeu supérieur, même si on n'avait plus nos gardiens de but. En fait, donc, c'est sûr que l'équipe a embarqué dedans. Oui, ça a été un point tournant parce que les jeunes ont vu que quand même qu'il manquait des éléments importants à l'équipe, qu'on était quand même capable de performer et d'amener des résultats. Ça, c'est clair. Puis Benoît, je sais qu'on avait trois nouveaux défenseurs. On avait Peacock, Pilote, Desgagnés. Dès qu'on a perdu nos deux gardiens de but, ces trois jeunes-là se sont mis à se développer d'une façon extraordinaire. Puis on, à la fin de la saison, Desgagnés, ils jouaient presque sur tous les avantages numériques. Écoute, Claude, quand on a formé notre équipe en début d'année, oui, on regarde les individus qu'on a, on analyse l'équipe qu'on a. Et c'est clair qu'en début d'année, notre brigade défensive était un point d'interrogation pour nous autres. Par contre, comme tu dis, Peacock, Pilote, Desgagnés ont levé leur jeu d'un cran, c'est incroyable, et ça a donné les résultats qu'on a eus. C'était une heureuse surprise. Je peux vous dire que dans les années passées, on a eu des brigades défensives de beaucoup supérieures, en fait, de qualité de joueurs à ceux qu'on avait cette année. Mais je pense que le vouloir de ces jeunes-là a fait que ça a donné des résultats. Et d'abord, souvent, quand on veut quelque chose, quand on croit à quelque chose, mais c'est la meilleure preuve que c'est pas juste le talent qui nous amène à des championnats. Excuse-moi, c'est Benoît, bon? De t'avoir interrompu. D'abord, j'aimerais vous remercier publiquement de nous avoir amené à Moose Jaw. Ça a été un plaisir pour nous. J'aimerais vous remercier pour ça. Et ma question, lorsque vous allez être sur votre chaise berçante à la retraite, à regarder dans votre passé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de cette équipe-là 2013-2014? Mais qu'est-ce qui est important? Je crois que chaque année est une expérience qui est différente. T'sais, bon, cette année, c'est beau, on s'est rendu jusque-là. Mais le plus satisfaisant dans tout ça, c'est l'expérience que les jeunes ont vécue, l'expérience que, oui, le coach a vécue, puis dans 5 ans, dans 6 ans, ou l'année prochaine, le coach ou les coachs vont se ramasser à un autre endroit, tout ça. Qu'est-ce que tu te souviens? C'est la relation avec les individus que tu établis pendant ces années-là. C'est ça le plus beau souvenir. Oui, c'est des belles expériences. Oui, c'est beau de ramasser des trophées, tout ça. Mais d'avoir du vécu avec des gens, d'avoir une belle expérience, c'est ça qui est le plus important. Moi, je pense, je suis là depuis le début avec Michel. Et qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir les jeunes des 9 dernières saisons venir encourager à chaque année notre nouvelle édition de joueurs. Il y a un contact qui se fait avec ces jeunes-là, et c'est sûr que quand tu gagnes, le contact est peut-être plus solide. Juste pour vous dire, en début de séries éliminatoires, on a eu des contacts avec Joël Champagne et Yann Sauvé, qui faisaient partie de notre édition championne 2005-2006. Ils ont fait des vidéos pour nos jeunes avant les séries éliminatoires, ils ont parlé aux jeunes. Et juste pour vous donner une idée, je me rappelle que Yann Sauvé,
il parlait aux jeunes sur son vidéo, puis il disait, j'ai encore la chair de poule juste à vous parler quand on a gagné la Coupe Jimmy Ferrari. Puis pourtant, c'est un joueur qui évolue au niveau professionnel depuis 2-3 ans non, avec Vancouver. Donc, quand tu entends un jeune qui est rendu un homme aujourd'hui puis qui joue au niveau professionnel, puis qui parle encore avec émotion d'un championnat Midget 3A, tu te dis, ouais, c'est quelque chose. Hein? Fait que quand Michel dit, c'est les jeunes qui ont vécu l'expérience qui m'ont en sorti le plus grandi. Oui, les joueurs, mais je vous regarde vous autres aussi. Hein? Vous êtes jeunes, à part peut-être Claude. C'est le plus aîné, en tout cas. Oui, fait que c'est une expérience pour vous autres aussi. Puis Simon, tu parlais du fait qu'on vous a amené à la Coupe TELUS. Moi, je vous lève mon chapeau sur le travail que vous avez fait à la Coupe TELUS. J'ai reçu que des éloges sur vos capsules, sur tout le travail que vous avez fait durant la semaine. Puis je suis sûr que vous n'avez pas été en vacances toute la semaine. Non, faut pas oublier Maxime aussi, là, qui n'est pas devant la caméra. Il est en haut. Je suis à 4-5 heures le matin là, pour faire les montages. Mais... Donc, l'expérience que vous avez sortie de ça va être grandiose pour vous autres. Puis je suis content pour vous autres. On espère y retourner, peut-être éventuellement. Mais Michel, lui, il veut pas y retourner, là. En autant que ça ne soit pas mouche, déjà. Mais M. Parent, tu veux peut-être un petit point que j'ai aimé. Benoît, dis-moi, peut-être un point d'interrogation. On est déjà dans le début de la prochaine saison. On est déjà dans la prochaine saison, 2014-2015, qui approche à grands pas, qui sera la 10e saison de la formation Châteauguoise. Et peut-être le point d'interrogation actuellement dans toute l'organisation est du côté des entraîneurs. Parce qu'on sait, il y a beaucoup depuis que la Coupe TELUS a pris son envol, peut-être Bruce, beaucoup de rumeurs qui parlent qu'il pourrait quitter pour, dont par exemple, Victoriaville. Comment qu'on prépare cette prochaine saison-là en sachant pas si l'entraîneur sera de retour? Mais en date d'aujourd'hui, Bruce est tout le temps notre entraîneur-chef. C'est sûr que quand tu gères une organisation, mais juste 3A, t'as tout le temps des plans B comme n'importe quelle entreprise. Donc, que Bruce se fasse approcher par des organisations qui sont de niveau supérieur, c'est normal quand tu sors d'une année exceptionnelle comme qu'on a connue. C'est des choses normales. Mais pour le moment, Bruce est encore notre entraîneur et jusqu'à nouvel ordre, il va rester. Mais on peut dire, on peut être d'accord, Benoît, que Bruce, depuis qu'il s'est joint à votre formation, Michel, a fait un travail exceptionnel. Non, Bruce, premièrement, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience à tous les niveaux en termes hockey, en termes de relation avec les joueurs, une très bonne relation, puis un très, très bon leadership. Puis il est très ouvert aussi. C'est une personne qui est capable de prendre des critiques. C'est une personne qui a discuté avec tout le monde. Donc, ça, c'est très bien. Mais je crois que dans la vie, tu as un mix de leadership qui va avec le mix des joueurs, qui est bien, bien important. Benoît a parlé tantôt qu'on a eu des très bons joueurs dans le passé. On a eu certains entraîneurs qui peut-être n'allaient pas avec les joueurs qui étaient de très grande qualité. Mais aujourd'hui, je pense que Bruce, c'est peut-être le Bruce qui allait très bien avec les joueurs. Donc, le mix était parfait. En terminant, dites-moi, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de la formation? Qu'est-ce que je souhaite? Ouais, je souhaite que ça continue, que ça continue très longtemps et que ça puisse évoluer avec que ce soit Bruce, s'il y a un choix pour l'avenir, je suis content pour lui parce que c'est une très bonne personne. Les joueurs qui puissent vivre aussi des expériences, quel que soit le niveau. Il y en a qui vont rester dans le hockey, il y en a qui vont aller dans des professions, il y en a qui vont aller dans des métiers. Que tous ces jeunes-là puissent se souvenir qu'ils ont passé à travers Châteauguay Midget 3A, à travers les Grenadiers, les Patriotes, etc. Et qu'ils puissent un jour se rencontrer puis pouvoir avoir des beaux souvenirs. Parce que dans la vie, plus tu avances, d'avoir des beaux souvenirs, c'est bien le fun. Puis de pouvoir aussi faire bénéficier les autres. Je pense que tu arrives à une étape où de faire bénéficier les autres, c'est ça qui est le plus important. On pourrait dire que c'est une école de vie, Benoît, en terminant, là. Ben, c'est évident que tout sport d'équipe, que ce soit le hockey, que ce soit d'autres sports d'équipe, pour les jeunes, c'est une école de vie. C'est là que tu apprends à travailler ensemble. C'est là que tu apprends à côtoyer des personnes avec qui, peut-être que c'est très normal. Moi, je dis tout le temps aux joueurs, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, et ça, c'est la nature humaine. Sauf qu'il y a une chose que tu peux faire, que même si tu t'entends pas avec tout le monde, tu peux travailler ensemble pour arriver à un but. Et ça, ils l'ont prouvé cette année. Messieurs, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Ça n'a pas été trop bien. Toujours aussi agréable. Toujours aussi agréable en votre compagnie. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on se quitte pour une courte pause au retour. Le mot de la fin de cette émission.
Heureusement, nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui. À peine 2 heures juste avant le début du match, la lame d'un des patins de Samuel était brisée. Mon mari a téléphoné à l'entraîneur qui nous a dit de nous rendre à la source du sport. Dans le temps de le dire, Charles avait remplacé la lame et avait même aiguisé les patins. Non seulement il est arrivé à la partie à temps, il a compté 2 buts. De bons conseils, le meilleur équipement, la source du sport, le sport, on connaît ça. Le championnat mondial de hockey junior à Montréal, c'est en décembre prochain. Les forfaits incluent 5 matchs d'équipe Canada et les duels face aux États-Unis et les champions en titre la Finlande. Procurez-vous vos forfaits de billets au hockeycanada.ca/junior2015. Un événement que vous ne voulez pas manquer. Alors, ce que l'émission tire déjà maintenant à sa fin, messieurs, avant d'y aller avec les nominations du prochain brunch des champions de la Ligue Midget 3 du Québec, très rapidement, quel mot vous vient à l'esprit après cette magnifique saison? Ben, moi, Charlot, c'est 2. Caractère et famille. Je pense qu'ils ont créé une belle famille. C'est pour ça qu'on est arrivé justement là à cette conclusion là, de Coupe Jimmy Ferrari avec la Coupe TELUS et caractère qu'on a démontré là tout au long de la saison. Je pense que c'est les 2 mots là, qui me viennent à l'esprit. Ben, pour moi, c'est très, très simple. Travail des jeunes. Autant les jeunes de 15, 16 ans qui ont mis toute leur énergie à cette saison 2013-2014. Levons notre chapeau à toute la direction des Grenadiers de Châteauguay, de l'entraîneur et de tous les joueurs. Professionnalisme, toutes des qualités. Je vais finir comme j'ai fini mes textes et ma saison. C'est des qualités que ça prend pour faire des bonnes choses dans la vie. Ils les ont. Moi, je leur souhaite le meilleur. Le meilleur est à venir pour ces jeunes-là, et que ce soit au hockey ou ailleurs. Donc, chapeau les gars. Effectivement. Alors, du coup, maintenant, la saison est maintenant terminée sur la patinoire. Il reste seulement un événement à l'agenda de cette saison, le prochain brunch des champions qui aura lieu le 25 mai prochain. 13 nominations pour la formation des Grenadiers, qui est un record pour la formation. Le record était détenu à 11 jusqu'à maintenant. Alors, si on y va, un tableau vous apparaîtra à l'écran dans quelques instants. Au niveau du trophée des gouverneurs de la Ligue junior majeure du Québec, au niveau de la personnalité académique, le lauréat du côté des Grenadiers de Châteauguay, Alexandre Desgagnés. Du côté de Bruce Richardson, il est en nomination pour une 2e année consécutive pour le trophée Bob Chevalier. Du côté de Pascal Aberge, il est en nomination pour le trophée Mario Lemieux, qui est remis au meilleur espoir de 15 ans. Si on y va du côté du trophée Roger Brunel, le lauréat pour Châteauguay, et Justin Doucet pour la meilleure amélioration scolaire. Du côté du bénévole de l'année, c'est Luc Letourneau qui est du côté de la sécurité avec les Grenadiers, qui en est à sa 9e saison. Du côté, Simon, qui est à mes côtés, est en nomination pour le trophée Bertrand Raymond pour le meilleur texte écrit. Félicitations, Simon. Merci. Si on y va, la formation des Grenadiers de Châteauguay est en nomination pour l'équipe marketing de l'année pour le trophée Réjean Houle. Et de plus, les Grenadiers de Châteauguay sont en nomination pour le trophée Rosaire Morin pour la meilleure moyenne académique du côté. Et pas toutes les nominations sont inscrites à l'écran. Les autres sont Alexandre Payoussov, qui est en nomination pour le plus gentil homme. Du côté de Samuel Aberge, il est le récipiendaire de la coupe RDS pour les Grenadiers de Châteauguay. Tyler Island est en nomination pour la coupe du président, qui est remis à la 4e étoile de la saison. Étienne Montpetit, Danny Crête et Brandon McCullough pourraient être sur les 2 équipes étoiles, mm-hmm. dont Bruce Richardson. Et pour terminer, Martin-Olivier Cardinal pour son implication scolaire pour le trophée André Gingras. En terminant, messieurs, est-ce que peut-être celui qui m'intéresse le plus, Pascal Laberge et Bruce Richardson, est-ce qu'on peut dire qu'avec suite à tout ce qui est arrivé avec les joueurs et ces choses-là, on peut s'avancer peut-être sur Bruce? Ben, moi, je pense personnellement que les 2 trophées vont revenir aux Grenadiers. Là, Pascal Laberge, c'est un must au niveau du meilleur espoir. Puis on le voit. On l'a vu avec la liste. Donc, d'après moi, c'est un trophée qui est pratiquement sûr. Et du côté de Bruce Richardson, je verrais pas qui pourrait lui enlever avec la perte des 2 gardiens de but, l'effort qu'il a fait là, au cours de la saison. Parce qu'on s'est maintenu là. Oui. Non, on a terminé 4e. Ça aurait pu être beaucoup plus désastreux là, alors qu'on a perdu nos 2 gardiens. Et si on se fie à l'histoire ancienne, l'année dernière, André Wilsey, qui avait remporté ce trophée-là, il avait lui aussi mené son équipe à la Coupe TELUS. Exact. Moi, de mon côté, Pascal,
de très bonnes chances. Mais revenons à Bruce Richardson. Bruce Richardson, comme Lawrence vient de le mentionner, n'eût été, lorsqu'on a perdu les deux gardiens de but, Bruce Richardson s'est tourné de côté sur un 30 sous, a réorganisé son équipe, autant défensive qu'en offensive, a fait un boulot extraordinaire, comme Lawrence vient de mentionner. Je vois pas personne dans la ligue là, qui pourrait dépasser Bruce à ce titre-là cette année. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Ce fut un énorme plaisir de vous côtoyer tout au long de cette saison. J'espère que vous avez apprécié vous avez apprécié autant que moi. Mm-hmm. Et on se donne rendez-vous, mesdames et messieurs, le 7 septembre prochain, alors que les Grenadiers célébreront leur 10e anniversaire en provenance de Châteauguay, alors que les riverains du Collège Charlemagne, les Lions du Lac-Saint-Louis seront les visiteurs. En terminant, on sait sur les meilleurs moments de cette saison 2013-2014 et à très bientôt. Merci aux partenaires de la Ligue de hockey Midget 3. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, c'est le plus grand inventaire de meubles, d'appareils électroménagers et d'électronique de tout l'Est du Québec qui s'offre à vous. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, vous bénéficiez d'une garantie de qualité sur toute la marchandise et des meilleures conditions de paiement de l'industrie. Vous obtenez un service à toute épreuve et une livraison rapide partout au Québec. Avec Ameublement Tanguay, vous faites le bon choix. La Ligue Midget 3 tient à remercier son partenaire Place Montréal Trosse pour les bourses d'études remises aux joueurs Cégep du Midget 3. La Coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2013-2014. La Coop, partenaire de la Ligue Midget 3 depuis 2004.